indiscutable. Inutile de débattre avec vous deux. Même les statues du temple de Hera ont plus de chuchotes. Lieutenant, j'ai appris que vous êtes arrivé avec le Seigneur Khalgar. Avez-vous combattu à ses côtés sur Vigilus ? J'ai parcouru ses rapports de bataille plus d'une centaine de fois. Une défense exemplaire. J'avais beaucoup à faire ailleurs. Vos états de service sont peu communs. Oui, c'est ma bonne étoile. Envoyez un éclaireur à cette position. Capitaine ! Approchez. Capitaine, les Mechanicus souhaitent vous parler. Ils attendront. C'est Nozick Beta 12, un Archimagos Mechanicus. Il aurait dû monter à bord il y a une heure, mais il refuse de quitter Kadaku sans certaines données de son labo. Il est dans cette base de la garde impériale. Son bâtiment est ici. Mais l'ennemi approche, et cette base va être très rapidement envahie. Nozick a une grande valeur stratégique. Trouvez ces données et évacuez-le. L'installation minière. En perçant les réservoirs et en dirigeant le flux vers la vallée, on peut incendier les champs autour de la base. Et les faire bouillir dans le Prometheum. Je vais vous confier une équipe réduite pour détruire les réservoirs. 3 hommes, c'est tout ce que je peux faire. Briefez-les sans tarder. Oui, capitaine. Récupérer les données du Mechanicus. Nous sommes des Astartes. Titus et Lyreo, préparez-vous au départ. En attente. Tiens, tiens. Lieutenant Titus. On nous a dit que vous aviez besoin de nous, mon frère. Oui, mon escouade doit récupérer les données d'un bâtiment de recherche du Mechanicus au secteur 41A. Une grande nuée d'ennemis menace de submerger ce bâtiment, ainsi qu'une base impériale à l'est. Vous allez saboter une raffinerie de Prometheum pour retarder leur progression. Nous ne vous décevrons pas, lieutenant. Brûlons ces saletés de Xenos. Le temps est compté, je vous expliquerai pendant la descente. Mon frère, Magos Galeo souhaite vous voir dans l'armurerie. Compris. Si on ne vous a pas remis de pyroéclateur pour cette tâche, allez immédiatement chercher un à l'armurerie. Voilà un visage que je n'avais pas vu depuis bien longtemps, Titus. Vous avez demandé à me voir. Est-ce que vous vous adaptez à votre nouveau statut? Je n'ai pas à me plaindre. Curieux. D'après les calculs, il y avait une forte probabilité que vous... Des affaires m'attendent, Magos. Très bien. Consultez le terminal de l'armurerie. Je veillerai à ce que vous soyez correctement équipé pour votre mission. Précisez l'arsenal souhaité, et le poste d'armement se chargera d'y pourvoir. Même si beaucoup de choses ont changé depuis notre dernière rencontre, tout cela ne vous sera pas étranger. L'Omnimessie nous bénit de sa clairvoyance depuis toujours. Nous offrons des bénédictions à cette machine pour qu'elle vous serve, tout comme elle le sert. Le choix de l'arsenal semble incomplet. L'armurerie est bien garnie, mais les options disponibles sont celles requises.
Très bien. Je vous remercie, Magos. Galéo suffira. Nous nous connaissons suffisamment bien, après tout. Quel dommage que le Seigneur Calgar ait pu nous quitter aussi vite. C'est pour ça que je vois. Alors, Titus, vous partez pour une mission d'une importance capitale. Le champ de bataille en dessous ne laisse aucune place à la moindre erreur de jugement. Mon esprit et mon but sont clairs. Puissent les consignes de notre bien-aimé Primarque guider chacune de vos actions. Je suivrai de près votre progression. Je réfléchirai à vos paroles, Chaplain. Et pour l'heure, le devoir m'appelle. Magos, pour la dernière fois, nous devons vous exfiltrer. Évaluation négative requinquignorée. Nous serons bientôt submergés. L'homme du Messie, cessez de m'interrompre. Major. Kéran répond enfin à ma requête. Archimagos, il faut absolument vous évacuer, sans attendre. Négatif, je ne pars pas sans Lettonie. Rejoignez mon bâtiment. J'enverrai mes instructions par Fox. Préparez-vous à partir. Ça ne sera pas long. Major. J'ai une deuxième unité sur une opération qui vous fera gagner du temps. Monseigneur, j'ai perdu trois escouades qui étaient en route vers ce labo. Quelque chose roule pour moi. Entendez. L'Empereur nous protège. Nous tiendrons informés par Vox. Ce serait pour dire. Nos armures garderont la puanteur de cette planète pendant un moment. Ce sera toujours mieux que votre aura habituelle. Tout prêt. Non. Dalassa. Les Cadiens n'ont plus beaucoup de temps. À quelle distance êtes-vous du bâtiment de Prometheum? Nous pénétrons dans le bâtiment. Vous êtes dans les temps. Ce ne sera pas de trop. Qu'est-ce que c'était que ça? On nous a pris en chasse. Septimus. Bon sang. C'est l'œuvre d'un lictor. Sergent Gadriel pour le Resilient. Deux de nos frères sont tombés au combat. Envoyez un apothicaire. Reçu. Nous allons leur rendre hommage, frère sergent. Recharge!
l'ascenseur en cours d'utilisation. L'ouverture est un raccourci. Alors nous allons prendre. Rechargement. Mettons-nous au travail. Bénédiction vibrante de promesses. Rechargement en cours. Ne touchez pas de son fouet. Il ne vivra pas assez longtemps pour s'en servir. Je prends de l'équipement. Un tyrannite. Déploie une grenade crâne. Ravitaillement. Passeront pas. Je me ravitaille. Munitions sécurisées. Les snipers, surveillez vos lignes de mire. Chargeur.
site de Xeno. Ravitaillement en cours. J'envoie une grenade crack. Sécurisé. Je dois recharger. Rechargement en cours. Passez par ce bunker. Rassemblez-vous à l'entrée. Tir d'armes de petit calibre. Ça semble proche. Xenos est mort. Qui vous fait dire ça? Quelque chose cloche. Surveillez vos arrières. Nous y voilà. Arme au clair. Viens chercher la mort, vermine.
déployer. Merci, mon frère. Surveillez vos flancs. Major Sarkana, vous aviez raison. Il y avait bien un lictor dans les parages. Je suppose que vous avez déjà réglé la situation. En effet. Il ne vous causera plus d'ennui. Très bien, monseigneur. Ravitaillement en cours. Ce lictor est un adversaire puissant. Un défi intéressant. Si le lieutenant n'était pas avec nous, nous aurions déjà rejoint Cordanus et Septimus. Peut-être ont-ils dû en combattre plusieurs. Non. Les lictors chassent en solitaire. Nouveau chargeur. L'installation est en ruine. Espérons que les recherches de Nozick soient intactes. Archimagos, nous sommes arrivés. Enfin, rejoignez les niveaux inférieurs. Si les montes charges fonctionnent, le chemin est direct. Si. Un tyrannite. Archimagos, l'entrée reste verrouillée. Épargnez-moi vos insultes, Magos. Erreur d'assermentation. Je ne suis capable que d'analyser une panache.
J'ai eu des conversations plus cordiales avec des orques. Nous sommes arrivés à l'installation de Nozick. Tâchez de les distraire aussi longtemps que possible. Je combattrai au milieu de ces Xenos aussi longtemps qu'il le faudra. Je compte sur vous. Mon frère, ils sont entrés dans son armure. Ils méritaient mieux. Ce pyro-éclateur nous sera très utile contre les Boraces. Gadriel aux résilientes. Frère Decius a péri au combat. Bien reçu. Emplacement marqué pour l'apothicaire. Le sacrifice de notre frère ne tombera pas dans l'oubli. Les Voraces. Ils arrivent. N'employez que vos armes à distance. Repoussez-les grâce au pyro-éclateur pendant que nous les décimons. Rechargement. Ravitaillement en cours. Par le trône. Ils doivent être des milliers. Cette porte semble bien être notre issue. Taillez un chemin à travers ces vermines. De mise sous tension initiée. Flux du conduit sacré. Défaillance détectée dans les matrices divines. Exorcisme en cours. De la vermine, Xeno. Ne vous approchez pas trop. Redistribution de la charge conformément au chiffre sacré. Nous allons punir leur audace. Les Voraces, ils se replient.
Désorienté par la décharge sceptique. L'étage est sécurisé. Allons-y. La forge nous fait un superbe présent. Rechargement en cours. Ces abominations sont affairées à quelque chose. Elles collectent de la biomasse. Des humains. Dissous et récupérés plus tard. Par des tuyaux d'alimentation maintenus dans leur tête. Quelle horreur. Il faut exterminer ces atrocités. Chargement. Sécurisé. Charge. Me ravitaille. Kyron, par où allons-nous? On va devoir traverser cette pièce. Ravitaillement. Là, un pyroéclateur. Faites-en bon usage. Encore de la vermine. Thank you.
Ravitaillement en cours. Forme Psyker détruite. Rechargement. Ici Decimus. Dommage que vous ne puissiez pas les voir morts. Par le Primarque, nous avons monté un magnifique bûcher. Et au signe de tyrannide réduit de 90%. Annihilation de nuée confirmée. Excellent travail. Procédez à l'extraction. Mettons-nous au travail. Me ravitaille. Avec des réacteurs dorsaux. Cela fait longtemps que je n'ai pas semé la mort depuis le ciel. La journée n'est pas terminée, mon frère. Archimagos, nous avons atteint le transmetteur. C'est parti. Charge du transmetteur. Rejoignez les générateurs. Je dois effectuer les réparations en passant par le réseau de votre armure. Cela interférera-t-il avec l'opération? Négatif. Restez tout de même à proximité du terminal pendant l'opération. Distance de connectivité limitée. Archimagos, commencez votre travail. Établissement de la connexion. Tyrannide en approche. Générateur en état de charge complète. Renouveler l'objectif.
sécurisé. Archimagos, continuez. Connexion au système. Moment important. Aucune translation autorisée. En d'autres termes, on bouge. Zoanthrope, attention à son attaque psychique. Le zoanthrope est mort. Rechargement en cours. Munitions sécurisées. Major Sarkana, veuillez escorter Nozick au Sundero pour l'extraire. Oui, monseigneur. Avec plaisir. Je me ferai une joie d'être débarrassé de ces formalités. Et je serai heureux de ne plus entendre cette répugnante voix organique. C'est l'heure d'y aller. Ce monde charge va jusqu'au toit. Beaucoup de pertes. Et pas assez de munitions lourdes. Mais on tient bon. On vous rejoint.
Archer, Lireo, vous me recevez? Major, qu'est-ce qu'il s'est passé? Aucune idée! On n'a vu aucun impact! Ce territoire est tenu par les nuées. Il faut qu'on le retrouve, vite! Il y avait une armurerie là-dessous. Les réacteurs dorsaux. Chef! Et les gardes? Sans votre respect, monseigneur, nous sommes gardiens. Nous savons nous débrouiller. Les tyrannides vont envahir le site du crash. Si Nozick est encore en vie, ses heures sont comptées. Nos frères à bord du Sunderhawk ne feront qu'une bouchée des tyrannides. J'espère qu'ils ont survécu. Ne dites pas ça. Trop d'entre nous sont tombés aujourd'hui. Nous sommes en guerre. La mort nous attend tous. Xenos repéré. Chargement en cours. Lance une grenade frag. Réacteur dorsal activé.
détruite. Recharge. Chargement. Réacteur dorsal activé. D'autres abominations, Xenos. Des stocks de biomasse. Écœurant. Le site du crash est de l'autre côté de cette... biomasse. C'est trop haut pour sauter. Nous avons des charges à fusion, lieutenant. Placez-les de façon stratégique, uniquement aux endroits fragiles. Laissez-nous se protéger la brèche. Ne vous arrêtez pas, il faut atteindre le site du crash. Sécurisée. On perd du temps. Placez ces charges en position. Voilà qui devrait servir. Un saut en trop. Exterminé. En mouvement.
chargement. Me ravitaille. Chaos. Balayez la zone. Ça va. C'est sûrement la chirurgie Rubicon. Quand? Il y a 2 jours. Trouvez-la! Vite! Il faut y aller. Ça va, j'ai dit. Nozick est mort. La mission est terminée. Le responsable s'est volatilisé. Thank you.
capitaine cache quelque chose. Akeran ne nous trahirait pas, Gabriel. Alors où Démétri Altitus a-t-il servi auparavant? Et comment se fait-il qu'il soit déjà de retour au combat après une chirurgie si poussée? Le sergent Vintiad a parlé d'une équipe de la Death Watch qui a déployé la bombe virale sur Kadako. Peut-être que notre lieutenant était l'un d'eux. Je m'inquiète bien plus de ce que nous avons vu sur le site du crash.